as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. Even in hell. Alors j'espère que j'étais synchro, hein, parce que je m'y prépare depuis de longues heures. Partie 4, et peut-être dernière partie, de cet excellent jeu qui est Little Nightmare 2. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On se retrouve exactement où nous en étions. Alors oui, les plus attentifs auront noté... bonsoir Nictaras, bonsoir Léa. Les plus attentifs auront noté que la caméra a un petit peu bougé. Je pourrais me décaler un peu par là, voilà. Ce qui compte, c'est que le fond vert déconne pas, voilà. Donc nous en étions là. Eh bien, on va finir le jeu. On va finir le jeu ce soir. Hein ? J'espère que vous avez passé une bonne journée.
Hein, j'espère que votre journée a été excellente. Moi, personnellement, mon confinement d'aujourd'hui a été impeccable. Impeccable. On n'a pas de son de jeu. Ah. Et voilà. C'est comme ça ici. Vous demandez, ça arrive. Excusez-moi. C'est parce que pendant l'intro, je coupe le son du jeu pour pas que vous ayez la musique avec le son du jeu. Voilà, vous savez tout des coulisses. Eh merde, j'ai voulu faire mon malin en... Mais en fait, il fallait faire un aller-retour. Parfait, on n'a pas eu le chien non plus. Ah, mais parce que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai point fait. Allez, allez, allez. Vous êtes déjà trop gâtés. Alors peut-être qu'il fallait que je fasse un... Voilà, comme ça. Mais pourtant, j'ai sauté aussitôt, hein. Regardez, je vais faire exactement la même chose et là, c'est bon. En fait, le jeu part du principe qu'il faut faire un aller-retour. T'as gardé le fond vert Salenti finalement. Très bien. Oui, j'ai gardé le sigil. Ce sera ma marque de fabrique avec le chien. Je voulais lui trouver un nom. Hier, je lui ai donné un nom. Puis finalement, je préfère l'appeler le chien. C'était même plus sympathique. Et quitte à faire chier un poil plus le son du jeu, voire deux. Non. Non, 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 non. Je comprends pourquoi tu dis ça, mais après le son augmente et fluctue et c'est mieux qu'il soit comme il est dès le départ. Là, parce que là il se passe rien, mais après il y a du son plus. Laisse faire l'expert. Mais je comprends l'agacement, mais vous allez voir, le son va être plus fort. Le son d'un jeu, c'est toujours très difficile à manier. Ça fluctue, hein, ça monte, ça descend. Donc là, c'est une bonne moyenne. C'est Hector, ton toutou, c'est ça. Ben, je l'avais appelé comme ça, mais j'ai envie de changer. Bon, j'ai dit ça comme ça, en fait. C'est pas vraiment son nom. On va l'appeler le chien. Le chien, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il descend les escaliers tout seul ou... Ah non, je suis pas mort, ouais, voilà. Alors j'ai pas bien regardé ce qu'il y avait là-haut. Il y avait une télé. Là il y a une petite télécommande. On va s'en servir, évidemment. Alors, peut-être avec le bouton. Voilà. Et voilà. Regardez, ça c'est une affaire qui roule. Je vais toucher la télé, je vais me téléporter. Toujours compliqué les noms de chiens, mais oui. Bah, mon chien s'appelait Némésis. Puis j'ai failli l'appeler Némésis là, celui-ci là, le petit père. Et puis finalement, non, 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 non. Il est où? Ah, il est là-bas. Ah non, il est là-bas. Me plante tout le temps de côté. Donc là, on a encore une petite téloche. Il va falloir s'en servir. Mais pour s'en servir... Non, là, on peut pas faire la petite télécommande. J'ai éteint la télé, là, non? On peut s'agripper, vous pensez, là? Bon, ça coûte rien de tenter. Oui, c'est bon. De toute façon, dans cette VOD, je vais faire comme la dernière fois, je vais faire exactement tout l'inverse de ce que je pense être bien. Et comme ça, on va finir ça très rapidement. Je vais pas du tout me fier à mon instinct. J'ai un très très mauvais instinct, j'ai remarqué en regardant le VOD. Par contre, vous avez toujours tort. Ça, je m'en suis rendu compte aussi. Vous avez toujours tort et moi, j'ai un mauvais instinct. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à finir les jeux. Hop. Regardez-moi ça. Vous avez vu là comment ça... Ah mais merde. Ah oui, non mais non. Alors faut l'arrêter celle-là. Bah alors, ça nous arrange pas du tout. Il fait un peu de bêtises là. Hein. Là il y a eu bêtise. Bon, c'était voulu, hein. C'est le jeu qui nous dit, bon tu vois là, faut pas faire ça. Attends, attendez, enfin, je vais mettre le portable là, comme ça je vais très très bien voir. Là, tu as vu le petit chariot dans la dernière pièce, dans le fond? Ah bah, attends, non, je vais voir ça. Le petit chariot. Oui. Oui, j'avais vu ça. Je comptais le prendre. Par contre, vous savez ce qu'on va faire là tout de suite? C'est là où vous allez voir que j'ai des dons de voyance. Hein. Je suis Rémi Fraise, moi. Regardez-moi ça, là on va aller voir, il va y avoir un collectible. Vous êtes prêts pour le collectible? Dans le fond, le diable. Nous verrons cela. Pour le moment, le collectible, regardez ça. Ah bah non, en fait, ça signifie que tout à l'heure on pouvait tomber. Eh ben non, je vais avoir raison, il y a un collectible. Ah, oh, j'ai trouvé une petite casquette. J'ai trouvé une petite.
équipez les chapeaux que vous avez récupérés dans le menu pause. Chapeau. Mais on va voir sa tête alors. Oh là 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 là. Alors est-ce que vous pensez que c'est juste cosmétique? Eh oui, Képi? Vous pensez que c'est juste cosmétique? Parce que moi je l'aimais bien mon sac. On était drôlement bien avec le petit sac, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? On remet le sac ou pas? Là, on est un petit peu plus... comment dire? Comment dirais-je? On fait un petit peu plus... vous savez, c'est cet enfant-là... Ah, Gavroche! Voilà. Gavroche. On fait un petit peu gamin plus dynamique. Qui est pire, redingote et ça envoie. Gavroche, voilà, voilà, c'est ça, Gavroche. Tu l'as écrit avant que je le dise? Est-ce qu'il l'a écrit avant que je le dise? Pas sûr. Hein. Non, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va pousser ça. Et puis ça va nous servir de petit tremplin. Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Bon, c'est pas simple. Hein. Vous avez compris l'idée de ce que je veux faire. Ah, il veut pas, il veut attraper uniquement l'arrière. C'est quand même dramatique. Voilà, 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 voilà. Et maintenant, on retouche la télé. Gavroche, il a pas chopé une capette sur un cadavre? Mais qui? Tu parles de mon personnage ou du vrai Gavroche? J'ai pas compris. Tu parles du personnage ou... Du vrai Gavroche dans le bouquin? Ah oui, voilà, non, je ne sais pas, je n'ai jamais lu. J'ai lu, mais des passages à l'école, je m'en souviens plus là. Je m'en souviens plus, c'est comme les départements, je m'en souviens plus. C'est possible. Et regardez, ça serait pas un peu une boucle là? Il veut pas? Ah si. Ça sent pas un peu la boucle un peu là? Question culture, voilà. Bah alors. Oh, c'est bon, non, c'est bon. C'est bon, c'est... On va descendre en rappel, là. Ça va être la tyrolienne. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Tyrolienne. Les petites épingles à linge qui sautent, c'est rigolo. Par contre, un truc qui est très triste, quand même, c'est que bah, Billy, c'est fini. Hein. Alors, peut-être qu'on va retrouver Billy. Peut-être. J'ai toujours rêvé de faire de la tyrolienne comme ça, avec un cintre. Faut un bon cintre. Bon, eux, on leur fait pas confiance, hein. Oh, je lui éteins sa télé. Allez, on va la feinter, la vieille. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est une affaire qui roule. Et oh, elle m'a aspiré avec ses couilles. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Elle m'a pas aspiré avec ses couilles. Elle m'a aspiré avec sa bouche. Il revient... Il va reviendrir, Billy. Ben oui, il va reviendrir. C'est même... C'est... Alors, est-ce qu'on l'appelle Mamie Vagin pour faire plaisir à Nictaras? Je ne sais pas. Alors, on va lui éteindre sa télé, mais... Voilà, comme ça. Elle nous a pas vus. Merde, je me suis... Ah, mais non! Mamie Vagin! C'est fait une erreur, j'ai cru qu'il fallait monter sur l'évier pour partir par la fenêtre alors qu'il fallait contourner. Oui, c'est un peu chelou. Tout est un petit peu chelou de toute façon. Je me suis planté de bouton. Ah, décidément, c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire, je voulais mettre la mouche. Heureusement. Ah mon dieu, mais je suis con ce soir. Hein. Je me trompe dans mes boutons. Hier, j'ai modifié un petit peu le pad. Et pour que ça soit plus simple. Et puis, en fait, j'ai décalé quelques boutons. Donc, du coup, je me suis trompé. Mais trompé. Bon, vous êtes prêts, là? Bah, à la limite, on peut peut-être lui... On peut peut-être la laisser tranquille. Hein. Oui, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on l'emmerde? On n'a pas besoin de lui éteindre sa télé. Ah.
Il y a une petite télé. Ah, il... ah oui, il faut, faut. Il faudrait que j'allume la télé là. Voilà. Ah oui, il faut que je touche sa télé à elle. Bon. Comment on va faire pour toucher sa petite télé à elle? Va falloir qu'on l'éteigne la sienne. Ah, donc elle va voir l'autre télé. Allez. Normalement, ça devrait être bon. J'espère. Ah oui, elle est partie regarder la téloche ici. Oh là 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 là, dis donc. Le jeu devient... devient bien complexe. Oui, j'ai décalé un petit peu la caméra. En fait, il faudrait que je me mette comme ça, voilà. Voilà, là, je suis bien. Là, on va être bien, là. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en pleine forme. J'espère que vous avez passé un très très bon troisième journée de confinement. J'espère qu'elle était impeccable. Bon, cette petite séquence de gameplay avec les téloches, bof bof. Attendez. Voilà, là j'ai allumé celle-là. Faut qu'on le feinte. Belle journée dans les guiboles, pleine de clébards. Et toi Léa, t'as bien bossé? Ah bah voilà, c'est en fait... C'est... Oh bah... a été drôlement accro à la téloche lui, hein. Il s'est même pas rendu compte qu'il y avait un petit peu le vide. The Void. Oula, 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 oula. Heureusement que j'avais le doigt... Allez, allez, remonte. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie de retourner à mon petit sac, hein. Je suis désolé. C'est une junkie, la mamie droguée à Drucker, voilà. C'est curieux que tes messages arrivent si en retard. Parce que c'était au moins il y a 2 minutes. Non? C'était il y a 2 minutes, ça, le truc de la mamie, là. Qu'il est con, le père vagin. Ouais, j'ai monté un lit pour ma chambre d'amis. Parfois, en fait, on fait chambre à part et dormir quasi par terre. Bof, bof. Ah, c'est les aléas. C'est les aléas de la vie en société. C'est bien ce que j'ai compris. Ah, t'as monté un lit pour la chambre d'amis. Parfois, on fait chambre à part. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais là, c'est... On rentre dans l'intimité du couple. C'est l'intimité du couple. Non, oui, nous, on n'a pas d'amis, voilà. C'est pour ça qu'on pouvait pas. C'est pour ça que je pouvais pas comprendre. Moi j'ai pas de chambre d'amis. Pour ça faut avoir des amis. Par contre j'ai une chambre. Maintenant elle est occupée par mon fils. Regardez, ils vont sauter les uns après les autres. Vous êtes prêts? Ça sera ma vignette ça. À 19 minutes. C'est pas mal hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Rappelle-moi le nom dans lequel les écolières se jettent du haut de l'immeuble. Je l'ai, Suicide Girl. Je l'ai en DVD. Tout à fait. Suicide Girl. Ou Suicide Gang ou Suicide quelque chose, je l'ai là. C'est un des derniers que j'ai acheté d'ailleurs. Enfin, oui. Un des 5 derniers que j'ai acheté. Suicide Squad. C'est pour ça que j'ai dit Gang. Un squad. Ah, vous avez compris. Bon, là, on a allumé la télé, mais bon, si on y va, ça, on va faire une terrible erreur. Regardez, ça va nous téléporter d'où on vient. Ah non. Mais oui, je me suis pris un petit coup de tôle sur la tronche. Ça m'a réveillé, mais bon, on aurait préféré autre chose. Ah, mais oui, Suicide Squad, c'est la merde de la Hollywoodienne. Non, c'est Suicide quelque chose. Je sais plus. Ouais, mais moi je suis en train de streamer, voilà. Ça, c'est encore un bon exemple de. Quand on a la tête dans le guidon, comme je dis.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut partir par là? Non, ça va pas du tout être ça. Ah oui, j'ai dit que pour cette VOD, j'allais faire complètement l'inverse de ce que je pense être bon. Donc je vais aller là. Au mieux. Au mieux. Fight Club. Là, on est bien. Bah oui, mais je l'ai vu il y a pas longtemps avec ma femme. Elle connaissait pas. Fight Club. Je lui ai fait découvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pousse la télé alors? Et voilà. Et voilà, 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 voilà. Point trop n'en faut. Point trop n'en faut. Et là, on se téléporte. En espérant qu'en dessous, il y a du sol. En espérant que ça soit solide. Oh, fou, fou, fou. Je me suis rattrapé. Heureusement que j'avais le doigt sur la gâchette. Club Sandwich. Non, c'est pas ça. Non, non, ça s'appelle... vous verrez sur Internet. C'est un film coréen ou japonais, je ne sais plus. Là, on a mis... Ah! Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Par contre, on va tuer quelqu'un, là, vous allez voir. Dès qu'on va ouvrir la porte. Et on va enlever les planches. On va lui mettre un petit coup de jus. Qu'ils sont cons, ces gens, à se faire sécher leurs fringues sous... Oui. Et peut-être que quand ils l'ont mis... Il y avait pas de puits. Vous êtes prêts là? Je suis prêt à partir. Et voilà mon petit père. Et voilà. Reviens vite. Allez, reviens près de moi. Voilà. Oula, j'ai failli me faire avoir. Bah le film c'est bien Suicide Club, Romain. Ah voilà, Suicide Club. Moi je pense à Suicide Gang, Suicide Girl. Bah, c'est Suicide Club. Voilà, voilà. C'est pas mal. 6,5 sur 10. Mais si on aime les films japonais, bon allez, c'est un film à regarder, voilà. Mais c'est pas un très bon film. Mais il est sympathique. Non, toi tu le savais pas, Nictara, sinon tu l'aurais écrit, je te connais. Hein. Tu perds jamais un moment pour nous étaler ta culture. Donc là, on a un petit levier, mais il est cassé. Bon, il va falloir qu'on fasse un aller-retour. Il y a du backtracking, là. Ah. Et voilà. Regardez ça, comment je trouve vite les solutions, là. Quand j'ai dormi, c'est plus du tout le même... C'est plus du tout le même bazar, hein. Allez, hop, là, le petite boule de papier, on la prend. Non, on prend ça. Et on le jette. Parce qu'on est des loubards. J'étais déjà sûr de la vanne du club sandwich. Ah, mais c'est pour ça que t'as fait la vanne avec le club sandwich, tu vois, j'avais pas compris. Tu souriras à la VOD, certainement. En général, je la regarde une ou deux heures après, avec mon fils, pendant qu'il boit son lait. Et puis lui, il m'entend parler, alors il a l'impression que c'est moi qui parle. C'est parfait. Il comprend pas tout, hein, évidemment, il comprend pas tout. Il comprend pas tout, mais ça lui plaît. On fait ça, puis après on regarde quelques petites vidéos sur YouTube. En ce moment, qu'est-ce qu'on regarde? On a découvert un nouveau YouTuber qu'on aime bien. William. Non, il s'appelle pas William. Non, William, c'est le follower qui est jamais revenu. Mais qui on regarde en ce moment? Je me souviens plus du nom. Regardez, là, il y a quelque chose sur la boîte aux lettres. Qu'est-ce que ça peut bien être? On sait pas, hein. C'est pas une petite... Ah, on peut prendre la petite valise, évidemment, pour aller prendre le truc. Allez, viens là, petite valise. L'œil de Cohen. J'ai pas compris. Je connais l'œil du cyclone. Ah, mais ça y est, tu as l'option 480 pour le stream. Ah bon? Pour les désespérés dans leur troupeau mu comme moi. Ah bon? Comment se fait-ce? J'ai touché à rien. Comment se fait-ce? Bon, c'est très bien, hein, mais je sais pas, c'est pas moi. Ah merde, on est revenu là. Bon, on peut revenir par là. Je suis un peu idiot, hein. Je me fais chier à faire des allers-retours. Attends.
attendez, il y a forcément quelque chose à faire. C'est pas une valise, c'est que c'est un gros bout de bédo. Oui, c'est vrai que ça ressemble. C'est vrai que ça y ressemble. Vous avez vu, je me suis mis un petit peu plus petit, je fais mon humble, et je me suis un petit peu décalé, je trouvais qu'avec le chat, on prenait déjà assez de place. Ça se fait que peut-être que Twitch a fait des mises à jour tout seul. Ça serait chouette. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait? On se jette, là? Oh, c'était pas si haut. C'était pas si haut. C'était pas si haut. Bon, allez, on va regarder un petit peu mieux, quand même. C'est bizarre qu'il y ait un œil, hein, sur cette boîte aux lettres. Vous savez quoi? On va aller prendre ça. Et on va inspecter déjà la boîte aux lettres. Je sais que ça sert à rien, mais j'ai besoin de le faire. Me demandez pas. C'est mon instinct. Alors il me met sur une fausse route, comme d'habitude. Est-ce que vous avez vu que sur ma chaîne YouTube, j'ai rajouté des films? Hein, je rajoute beaucoup de films en ce moment. Parce que je sais pas quoi faire. C'était complètement con ce que j'ai fait. Parce qu'on pouvait de toute façon y accéder à la boîte aux lettres en sautant. Mais en tout cas, c'est très très bien qu'il y ait du 480, parce que pour les petites connexions, ça me... Eh ben ça me fait plaisir pour elle. Comme ça, on perd pas de viewer en petite connexion. Bon, 480, ça doit être terrible quand même à regarder, non? C'est déjà que je trouve qu'en 720, c'est pas super. Mais bon, sur téléphone, si tu te mets loin, si t'as ton téléphone et que tu te mets à peu près à 4, 5, 6 mètres... Ah, c'est comme de la HD, hein. Ça doit faire comme de la HD. Comme quoi, tout est relatif. Hein. Pour besoin. On peut bidouiller. Hein. Ah, mais parce qu'il y a, ça, j'ai pas vu. Et voilà. On peut prendre l'ascenseur. Le steak HD. Ouais. Attends, forme. Mais c'est pas pour ça que ça va aller... non. Certainement pas. Donc on a ramené la téloche ici. Très bien. Mais encore. On rallume la télé. On se téléporte. On l'a déjà fait, ça. Je comprends pas. À quoi ça peut servir? On a déjà fait tout ça, non? Oui, puis je suis mort. Ah non. Je comprends pas, là, le... Où on doit aller, en fait. Ah, maintenant, on peut passer en dessous. Il est mort? Bon, pour moi, l'avantage, c'est que j'ai plus à rafraîchir la page et je peux écouter sans que ça coupe. Ah bah oui, voilà, c'est un net avantage. Non, mais à chaque fois, il va nous faire le coup qu'il faut qu'on ramène la valise. Attends, non, on peut sauter et attraper la clanche, non? On n'a pas besoin de Billy pour ce coup-là. Ah, si. Oh là là. Je suis pas très fan, hein, de cette séquence gameplay avec la télécommande et les télés. Hein. Bah, t'en profites pour rafraîchir ta coupe, alors. Oh, dis donc. C'est Madame Nick Taras qui doit être content, hein. Elle a un comique à la maison. Hein? Mais dis donc, le soir, ça doit rigoler, hein. Hein, le soir, on doit se coucher tard. Hein? On doit se tenir les côtes. Hein? On doit pas manger souvent, hein? Parce que ça rigole, ça vaut un bon steak. Hein? C'était quoi l'expression? Une bonne tranche de rigolade, ça vaut un bon steak, c'est ça? Oula, oula, oula. Qu'est-ce que je fais? Ça doit se coucher tard, hein, chez les Nick Taras. Bah, c'est pas que c'est simpliste, parce que regarde, j'y arrive pas. Ah, c'est là où on doit aller, hein. Vous avez vu? Comment on a fait pour ouvrir la un tout petit peu? Comment on a fait pour ouvrir un tout petit peu la... Attendez, ah, non, 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 c'est bon. Je vais me téléporter. Je
je sais plus. Comment on a fait pour ouvrir... Parce que je vous lis en même temps que je joue et je sais plus. Comment on a fait pour ouvrir un tout petit peu la porte de la cage d'ascenseur? Bon, je me fais rire, c'est déjà très bien. Bon, c'est bien, t'es philosophe. Le reste, c'est du bonus. Et on rit aussi, t'inquiète. Bon, bon, c'est parfait. Tu vois. Comment on a fait pour ouvrir la porte de l'ascenseur? Tu veux pas te déplacer sur la gauche pour... Bah tiens, je vais aller voir. Pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. Bon, le chien est parti, il revient. Part pas longtemps. Non, non, y'a rien du tout. Y'a rien du tout. C'était pas bête, mais non, non, non. Non, non, ma question reste la même. C'est comment on a fait pour ouvrir la porte de l'ascenseur. On a réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Je sais plus comment j'ai fait. Parce que je vous parle en même temps, je suis pas très attentif. Problème d'attention. Je pense qu'on est monté. On a fait ça. Non, non. C'est ici qu'on doit aller. L'aile ouverte? Comment on peut faire? Bah c'est en montant sur la valise et en actionnant l'interrupteur. Ouais. Je comprends pas comment je peux faire maintenant. L'interrupteur de la pièce du haut, tu ne peux pas interagir avec? Non, il est cassé. Et puis je peux pas sortir de l'ascenseur surtout. Il est cassé et regardez. Parce que l'idée, vous avez bien compris, c'est que là on est au. On va dire au rez-de-chaussée. L'idée c'est qu'on aille là. Vous allez voir. L'idée c'est qu'on aille ici. Qu'on descende ici. Enfin, je crois. Mais c'est pas que j'arrive pas à l'activer, c'est que. On va essayer. Alors, est-ce que je peux déplacer le petit... Non, je peux pas. Non, elle est cassée. Ça se voit, non? Elle est cassée. Mais ça doit être tout con. Regardez, il faut que je refasse repartir l'ascenseur et que je me téléporte. Je pense. Vous comprenez? Non, 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 je veux pas. J'actionne. Je disparais. Et je vais sur le haut de l'ascenseur. Merde, c'était là. Ah, c'est bon. Vous avez vu ça? Voilà. Moi, je vous fais plus confiance pour les énigmes. Je vous demande plus rien. Je suis obligé de les faire tout seul. On est censé travailler en équipe. Tiens, prends ça, toi. On est censé travailler en équipe et puis au final, c'est moqué. Tu me demandes pourquoi je stream. Oh, mais c'est trop tard maintenant. C'est bien trop tard. C'est bien trop tard. On en est bien loin maintenant. On est bien loin de cette énigme. On a fini. On bronze en te regardant. Bon, vous avez compris que si on va sur le sol, là, ça va pas. Hein. Voilà, voilà. Et l'espèce d'accès à côté de l'interrupteur cassé, ou alors j'ai zappé cette partie, oui. Ce n'est point ça. Oh, bah merde. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah bah, c'est une salle de bain, là, Claude François. Il faut faire attention, hein. Bon. En tout cas, on monte sur les toilettes. Ça, on sait. Et on va lui éteindre sa télé. On peut pas, on est trop loin. Ah bah je peux sauter là. Y a pas d'eau. Voilà. Claude Style, voilà, c'est exactement ça. Bon, elle est occupée à sa télé, je pense qu'on peut raisonnablement y aller sans se soucier d'elle. Ah, y a une clenche. Qu'est-ce qu'il nous faut pour... Ah, il nous faut le petit tabouret. On va lui atteindre sa téloche.
Non. Voilà. J'ai voulu rallumer la télé pour que vite elle se positionne, mais ça l'a pas intéressé. J'ai pas été assez rapide. Faut que je sois plus rapide. Comment je peux faire? Ah mais faudrait qu'on la tue en fait. Regardez. Comment on pourrait la tuer? Je me mets là. Ah oui voilà, on va la tuer comme ça. Elle va marcher sur l'eau. L'eau électrisante. Alors par rapport à Drucker. Merde, je suis pas en face des trous. Non, mais je suis pas en face du truc. Par rapport à Drucker, alors je vais vous donner une petite anecdote. Est-ce que vous voulez une petite anecdote sur Monsieur Drucker et son père surtout, le docteur Drucker? Je suis sûr que ça vous intéresse. Alors comme vous me le demandez pas, je vais vous la dire. C'est le docteur. Alors on va passer, voilà, évidemment. C'est le docteur Drucker qui est né à Vire. Moi je suis né à Vire aussi. C'est le docteur Drucker qui a mis au monde mon père. Et dans la famille il est très respecté. Docteur Drucker. Ah voilà. Fais-moi les malins maintenant qu'on sait ça. Qu'on sait que c'est le docteur Drucker, le père de Michel Drucker qui a mis au monde mon père. Et mon père, pour finir l'anecdote. Quand il est revenu à Vire, un jour, il avait besoin d'aller chez le docteur, me demandez pas pourquoi. Il a été visiter le docteur Drucker, parce que c'était le médecin de famille, en fait, de la famille Martin. Il est rentré dans la salle d'attente. Je lâche là ou je vais mourir? Non, c'est bon. Il est rentré dans la salle d'attente. Et le docteur Drucker, il est arrivé. Il y avait plein de patients hein, dans la salle d'attente. Il a dit, lui, il passe devant. Il passe devant vous. C'est moi qui l'ai mis au monde. Véridique. Il avait reconnu mon père. Patrick Martin. Voilà comment ça se passe en Normandie à Vire. Donc pour nous, la famille Drucker, on plaisante pas. C'en est presque consanguin. Tout de suite les méchancetés. On n'est pas dans le nord hein. La Normandie c'est le nord, certes. Parce que dans Normandie il y a nord. Vous l'aurez noté. Mais c'est pas vrai ce qu'on raconte. C'est un autre nord. C'est les vikings. Y'a pas de consanguin chez les vikings. Un petit peu mais pas beaucoup. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Y en a un petit peu mais pas beaucoup, ça va. C'est encore acceptable. Regardez-moi ça, comment j'ai bien joué là. Oula, mais. Ah, j'avais pas vu que c'était électrifié. Je peux pas compter sur vous. Je peux pas compter sur vous. Ah oui, la Normandie c'est l'ouest, c'est pas le nord. Ah bah, va dire ça à un mec qui habite Marseille. Que la Normandie c'est pas le nord. Normandie. On voit bien que t'es pas normand. Le Mont-Saint-Michel c'est pas au nord. C'est pas au nord. Ah bien sûr qu'on peut aller plus au nord. Ah bah oui mais bon. Tout est relatif dans ce cas. Marseille c'est au nord aussi. C'est au nord du Maghreb. On va pas être copains là si vous dites des bêtises. Bien sûr que la Normandie c'est au nord. Ah, on peut aller en Belgique aussi, c'est encore plus au nord. La Normandie c'est le nord de la France évidemment. Norman, ça veut dire les gens qui habitent, qui viennent du nord, qui sont du nord. Normandie, c'est ça. Quand même, je connais quand même un peu où j'habite. Je suis né près de Valenciennes. Ah, très bien. Ah, très bien. Très bien, bravo. Ma femme est d'Aix-en-Provence, le nord commence à Lyon. Bah voilà, tu vois. Tu vois qu'on peut se comprendre. Bah voilà. Regarde, moi, voilà. Non, mais j'avais envie de dire un autre exemple, puis en fait, j'en dirai pas. On va allumer la télé, là. Déjà, il faudrait qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut rien faire, là, hein. Parce que si je saute là-dessus, ça m'avance à quoi? Moi, je suis né à Caen, à la Miséricorde.
Ah oui, mais c'est vrai, en plus, t'es normand, toi aussi. Oh! Le suicide! Suicide sandwich! Oh mon dieu! À la miséricorde, bah je connais bien. Enfin, je connais bien. Je connais. On se dit les choses d'un coup. De miseridum satanas. Suicide sandwich. Non mais c'est vrai, Nick Taras, pour 95% des Français, la Normandie c'est au nord. Hein. Et ils ont raison. Alors évidemment, on peut encore aller chez les ch'tis, et là on est... Mais pour moi, c'est déjà plus la France. Voilà, j'ai envie de me faire des ennemis. On est déjà plus en France. On est en Belgique. On est en Belgique. Mais le Kadir vient. Attendez, attendez. Regardez, c'est positionné exactement comme il faut en fait. Tout à l'heure, je l'ai mal positionné. Bon, je vais tenter quelque chose que peu de gens tentent. J'espère que vous allez avoir conscience de la richesse du gameplay de ce soir. Oh putain. J'ai failli louper. Bon, on a réussi, hein. La Haute-Normandie au nord, la basse est à l'ouest. Oui, voilà. Oui, oui, on dit bien la basse Normandie. Et non, mais c'était. En plus, c'est. Non, c'est la seule chose qui est bien, ça, c'est que c'est terminé cette histoire de haute et de basse Normandie. Il n'y a que la Normandie. Ça, c'est la seule chose qui est bien que je valide. Et ben là, je peux y aller, c'est bon. Il n'y a pas d'électricité ici, c'est très bien. Bon, on va arrêter de parler de la Normandie parce qu'après, sur ma VOD, ça va. J'ai pas envie de me re-entendre parler de Normandie. J'ai envie de faire rêver les gens, moi, ce soir. Non pas que la Normandie fasse pas rêver, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais bon. Et là, qu'est-ce qui se passe si je vais un petit peu plus? Ah, voilà. Il y a un plug, il y a quelque chose. On peut arracher un fil, on peut faire quelque chose, là, non? Ah bah oui, il y a un interrupteur, j'avais pas vu. Attendez, je vous lis. Et bah voilà, c'est bon. On a arrêté la diablerie d'électricité. Hop là. Alors, je vous lis, hein. La Hague appelle déjà la Bretagne. J'ai pas compris. La Haute-Normandie est au nord, la basse est à l'ouest, parfait. La Hague appelle déjà la Bretagne. Ça, je ne comprends pas. Hein, hop. S'il vous plaît. Un modérateur, s'il vous plaît. un modérateur qui fasse quelque chose. Aujourd'hui, j'ai fait le plein de bières belges. Rien que pour ça, j'aime ce pays. Mais oui, moi j'adore les Belges. D'ailleurs, normalement, j'ai deux salons du livre cette année, en Belgique. Un à Bruxelles et un à Charleroi. Alors, j'ai beaucoup de lecteurs belges. Bon, d'une façon générale, j'aime beaucoup les Belges. Je dis pas ça pour faire politiquement correct. Mais pourquoi on est venu là? On a arrêté l'électricité, certes, mais alors? Ça nous a servi à quoi? Pas compris. Vous voyez, vous, un petit peu pourquoi on aurait fait tout cela? La Hague, région à l'ouest de la Manche. Oui, d'accord, mais j'ai pas compris la phrase. Et tu ne connais pas? Mais si, les falaises, la façade maritime, le sentier des douaniers. Oui, mais je comprends pas la phrase. La Hague appelle déjà la Bretagne. Ça, c'est la phrase que je comprends pas. Comme je connais... Il n'y a pas une trappe en haut à droite? Allez voir. Non, il n'y a pas de trappe en haut à droite. Je vais regarder si on peut ouvrir le placard tout de même. Pas l'impression, hein. Est-ce qu'on peut passer en dessous là? Non. Non plus. Non, non, Nictara, c'est ta phrase. La Hague appelle déjà la Bretagne, ça ne veut rien dire. C'est ça que je veux te mettre devant l'évidence. Mais il n'y a pas de modérateur ce soir pour te modérer. Cette région ressemble déjà à la Bretagne. Oui, le verbe appeler était mal usité. Tu vois? C'est pas pour... C'est pour toi que je fais ça. Bon, il va falloir qu'on se sauve par la fenêtre. Hein. Ça me paraît... Mais comment on peut faire? Hein? On monte sur le lit, puis on saute après? C'est ça? C'est juste ça, l'idée? Jamais on a eu affaire à un truc comme ça. C'était de la poésie. Fais-en toi de la poésie, toi. Hé, Jacques Prévert. Bon, je connaissais un petit peu du... En poésie. J'ai perdu ma force et ma vie. Et ma jeunesse et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la force qui faisait croire en mon génie.
quand je l'ai. Ah, je m'en souviens plus. Alphonse Daudet, je connaissais. Je m'en souviens plus. Quand je l'ai comprise et sentie, elle était déjà. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Vous allez me faire rougir. Bon, on arrête l'électricité, mais pourquoi faire? Là, je suis en train de tourner en rond, là. Je vois pas ce que. Où dois-je aller? Je comprends pas. Parce que je vais regarder une chose. Si on peut remettre l'électricité, ça signifie qu'il y a, il y a un micmac à faire pour se téléporter à l'autre télévision. Hein. Normalement, c'est ça. Hein. Parle-nous de tes crayons et tes feuilles mortes. Explorons la pièce. Je pense qu'il y a, il faut remettre l'électricité pour que la télé fonctionne. Ah, il fallait que je l'allume. Attendez. Il fallait déplacer le caddie. Oui, c'est ça. Il faut déplacer le caddie. Allez hop, nous on fait des grands sauts, on n'a pas peur. Ça fait tout drôle qu'il n'y ait plus Billy. Attendez, que je fasse pas de conneries. Une fois que j'aurai remis l'électricité, comment je vais revenir? Attendez. Comment je reviens une fois que... Ah bah je peux passer par le haut. Ok, c'est bon. C'est une affaire qui roule. C'est bon, j'ai compris. On va tout faire le tour. Vous comprenez? On va mettre le caddie là, près de la télé va se rallumer évidemment. Ça me paraît pas mal là, non? Bon, j'espère que j'ai bon. Je l'ai mis à... Vous savez quoi? Avant de tenter, on va practice avant. On va tenter avant. Mon idée c'est de faire ça, hein. Allez. Allez, bah non, petit coquin. Ah bah, il veut pas. Ah bah non. Ça ruine tous mes plans, ça. Regarde le Gavroche avec son sac sur la tronche et son caddie. Oui, mais il est nettement plus joli. Tout de même, il est nettement plus joli comme ça. Ah mais non, on va pouvoir faire comme ça. Et là, on va pouvoir sauter. Qu'est-ce que je suis... Voilà, on a bien fait de practice une fois avant. On allait mourir pour rien. On peut pas le mettre un petit peu en diagonale là? Enfin, vous comprenez? Voilà. Oh, ça va suffire, ça va suffire. Allez, c'est bon. C'est parti. On va le faire une fois. On sera pas mort. Hein. Vous avez compris mon idée, hein? Je sais que vous avez compris mon idée. Et toi, t'as compris? Lui, il a compris, évidemment. Hop. Allez, c'est bon. On est déjà au prochain panneau. Enfin, au prochain stage. Hop là. Oh putain, c'était just. C'était just, mais c'était bon. Allez, regardez ça. Voilà. Mais je suis complètement con, j'ai pas remis l'électricité. Pardon, je ris de bon cœur là. Je suis complètement con. J'ai pas remis l'électricité. Oh putain, mais... Oh là 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 là, Romain. N'importe quoi. Ah, vaut mieux en rire, hein. Il ne reste plus que ça. Oh, je suis désolé. Là, j'ai encore perdu 5 followers à cause de cette erreur, je vous jure. Les gens ne pardonnent rien à notre époque. Hein. Vous savez, il y a des milliards de chaînes Twitch. Tu loupes l'électricité, bon bah c'est bon, les gens ils sont partis. Là. Ils se sont dit quel con. C'est ça qu'ils se sont dit. Ah putain, ils se sont dit quel con. Ils ont pas tort. Mon dieu. Bon c'est bon quand même là. Le caddie, il est remis. Il est mis comme je l'ai mis. Enfin, on s'est compris. Le caddie, il l'est mis comme je l'ai mis. On s'est compris. J'ose plus rien faire maintenant. Attendez. Ah non, le caddie, il est là. Oh, les salauds. Oh, les salauds. On a perdu un quart d'heure alors que c'est un truc qui est sur 5 minutes. Les salauds. 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 Genre, il y a Sanus qui est sur le chat, elle ne dit rien à la honte. Ça, je sais pas. Je
pense qu'elle regarde juste. C'est avec le, elle est avec le bébé. Alors quand on a le bébé, c'est difficile de chatter. Toi t'as pas de bébé, tu peux pas savoir. Salaud de pauvre. Ah, j'ai jamais dit salaud de pauvre. Hein. Ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que c'est des salauds les pauvres. Des fois j'en vois. Bon, je regarde pas longtemps, mais des fois j'en vois. Non, j'ai aucun problème avec les pauvres. Moi-même venant d'une famille de pauvres, j'ai énormément de respect pour les pauvres. Et puis parfois, même pour moi, c'est ric-rac. Pas vous mentir. Donc. Oh mais non! Mais je suis du. Vous avez le droit de vous désabonner. Voilà. Je vous le dis. Vous avez le droit de vous désabonner parce que là, vraiment, c'est la honte, quoi. Bon, la mouche. Si vous désabonnez, n'oubliez pas de vous réabonner. Tout de même. Ah. Je suis pas non plus maso. Scène culte de la traversée de Paris avec Gabin et Bourville. C'est vrai ça, Romain? Tu fais quoi dans la vie à part perdre sur des jeux vidéo à longueur de soirée? Ah, il y a plein de gens qui aimeraient bien savoir. Là, t'as mis le doigt sur un grand secret. Un grand secret. Bah, j'écris des livres. J'écris des romans. J'écris deux romans. C'est mon... Je fais que ça. Ma femme n'est pas sur le chat parce qu'elle porte le deuil de Bill. De Billy! De Billy. Non, j'ai pas d'autre activité. J'écris des livres. Mais je gagne pas ma vie en vendant des livres, si c'est ça que tu veux savoir. Hein, c'est ça que tu veux savoir. C'est l'argent qui t'intéresse. Hein? C'est l'argent. C'est ça. C'est ça que tu veux savoir. Tu veux savoir où est mon argent, hein? Tu veux savoir si je l'ai mis à la caisse d'épargne? Si j'ai un livret A? Tu mets le caddie bien trop loin, l'ami. Ah bon? Ah bah maintenant, je te fais confiance, hein. J'ai plus rien à perdre. Quand je commence à te faire confiance, c'est que j'ai plus rien à perdre. Je mets le caddie bien trop loin. Peut-être. Peut-être. Dis donc, là, on a raté. Et là, on va pas gagner de followers, hein, je vous le dis. Hein. Ça va faire une demi-heure qu'on est là-dessus, non? Sur cette petite énigme ridicule. Mais vous m'aidez pas. M'aidez pas. Pense au caddie et à la petite valise qui est par terre. Je me dis que ça peut servir. J'ai pensé au caddie, mais à la petite valise. Je sais pas de quoi tu parles. M'intéresse pas. Non, non, ça va aller. C'est moi qui suis idiot. J'essaye toujours d'accéder à la zone safe en passant par le haut. Alors pas du tout. On peut sauter sur la planche en bois. C'est parce que je parle en même temps. Je suis pas attentionné. Je suis pas du tout attentionné. Regardez. En fait, faut passer par là. Voilà. Non. Oh mon dieu. Et c'est fou, hein, de perdre autant de temps sur une énigme où on a, où, dont on a la réponse. C'est terrible. Je m'en veux pour vous, je m'en veux pour moi, j'ai honte. Faut dire les mots, j'ai honte. C'est bon, oh là là, c'était just, mais c'est bon. Je me dis que ça servira. Ouais, mais je pense que t'as tort. Enfin, t'as souvent raison, mais là je pense que t'as tort. Hop. Oh, j'ai eu peur. Allez, c'est bon. Quand même. Ferme ta gueule et joue bien dur. Bah, on se parle comme ça maintenant. Bon, très bien. Si j'avais su qu'un jour Nictaras il me parlerait comme ça. Pour sûr que j'aurais commencé le streaming. Qu'est-ce qu'on peut faire là à part y retourner? On peut monter sur la télé peut-être? Oui, voilà. Je croyais qu'en fait, je pensais que la fenêtre avait des barreaux. Pour tout vous dire. Non, c'est bon. C'est quand même une dénonciation de notre époque et de l'ère numérique. Et de la télé en général. Hein. C'est ça qu'il faut. C'est plus ça qu'il faut voir.
Bon, je vais allumer celle-là. F5. Ah, mais il n'y a plus. Malheureusement. Il n'y a plus F5. C'est terminé. C'est terminé ce temps-là. Ça va revenir. On peut peut-être passer par là. Non, non, j'ai allumé la télé. Il faut que j'aille les embêter. Alors, comment je peux faire? Parce qu'ils vont, ils vont venir sur moi. Hein. Vous êtes au courant? Ah, mais non, ils vont aller voir l'autre télé. Ah, ils sont bien accros quand même. Allez, on va monter. J'espère que... Allez, c'est bon, c'est bon. Et voilà! Le chapeau de Slenderman. J'ai pas le temps de lire, attends. J'ai pas le temps de lire. Je vais te lire, mais on me course. Allez, 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 allez! Oh bah dis. Tu vois que le jeu, y a pas besoin de... Tu vois, Nictaras, pourquoi je mets pas le jeu plus fort? Parce que d'un coup, le jeu... est bien plus fort. Allez, 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 petit bonhomme. Allez, petit pote. Ah, c'est bien. Ils sont omnibilés par la télé. J'ai l'impression qu'il va un tout petit peu plus loin quand je cours. Attendez, je vais vous lire, mais là, je peux pas. Hein. C'est bon. Ok. Je peux vous lire. Oublie pas le chapeau mou. Devant la vitrine, c'est pas un collectible. Ah bah, mais c'est trop tard, là. Certainement, j'ai pas vu. Je verrai sur la VOD. Le chapeau de Slenderman, confère l'épisode d'avant. Oui, oui, alors, j'avais vu que t'avais écrit Slenderman. Je l'ai vu en voyant la vidéo. Mais j'avais loupé ce commentaire. Hier, j'en suis désolé. Il faut faire le tour de ce petit meuble. Ah non, la porte était fermée. Ah, excusez-moi, là, j'étais en... Il y a eu course-poursuite. J'ai pas pu lire. J'ai pas pu lire les messages. C'est pas Slenderman, c'est le type de fantasme. Oui, voilà. Ça, c'est très très bon hier. J'ai vu que t'avais marqué ça. Ça m'a fait plaisir que tu connaisses. Bon, c'est pas des films excellents, mais nous, on adore, évidemment. Fantasme. Fantasme. Quand même. Exactement, ça m'a fait penser à... comment on l'appelle, le croque-mort, là. Eh, mais c'est Billy! Arrêtez tout, Billy! Billy's here. Qu'est-ce que je peux faire, Billy? Aide-moi. Allez, viens, Billy, Billy, Billy. Billy n'est pas mort. Oh là là. Billy n'est pas mort. La télé, c'est la satanerie, mais elle peut peut-être nous rendre Billy. Oh, Slenderman, enculé. Pardon. Oh là, je me suis laissé aller, là. Normalement, j'avais dit pas de gros mots sur le stream. Et pour te répondre, Nictaras, hier, j'ai vu ton message. Oui, les gros mots sur le chat, c'est pas terrible. C'est interdit, normalement. Hein. Mais bon, j'en laisse passer quelques-uns parce que je suis drôlement sympathique. Et puis bon, c'est pas la Gestapo, ici. Hein. On vit déjà dans un monde de Gestapo. Hein, c'est pas pour en rajouter quand on stream. Donc oui, quelques gros mots, ça va. Mais pour le moment, par exemple, j'ai pas eu à me plaindre. Vous voyez, j'aurais rien censuré. Ah, peut-être parfois quand tu dis des choses, ça m'a... des fois je me dis. Mais je ne censure pas. Moi, de toute façon, je suis pas pour la censure, hein, d'une façon générale. Billy, il a juste été kidnappé. C'est exactement ça. Fantasme, indeed. Eh oui, ça donne envie de les revoir. Je les ai en DVD. Attendez. Je suis modérateur, j'ai pas le droit de dire des gros mots. Bah si, tu peux en dire. Oh bah ouais. Les règles, je t'ai déjà dit, sont faites pour être transgressées. Non mais en fait, ce qu'il faut, c'est pas tomber sous le coup de la loi. Voilà. Bon, c'est vrai que à notre époque, on tombe très facilement sous le coup de la loi. Et on peut pas aller un petit peu par là? Non. Non, non. Faut juste pas tomber sous le coup de la loi, voilà. En fait, on peut dire autant de gros mots qu'on veut, c'est toujours l'intention qui compte. On peut dire ce qu'on veut, c'est toujours l'intention qui compte. Faut pas être malveillant, voilà. Moi, je ne tolérerai pas la malveillance sur mon... Oh merde, je suis en train de faire n'importe quoi, il faut que je prenne le tabouret. Je ne tolère pas la malveillance, c'est tout. Après, les gens peuvent s'exprimer tant qu'ils veulent. On est là pour passer du bon temps. Je veux pas de méchanceté ni de malveillance, c'est tout.
Ah, j'ai fait le con, j'ai fait le con. C'est ma faute. On va pas avoir le temps. On a pas le temps là. C'est ma faute. C'est français, c'est la police française. Il y a un côté Dolores, ce grand maigre. Oui. Bah, il est entre. Comment il s'appelle, le croque-mort dans Fantasme? Ça me revient pas. Vous le savez. Moi, je suis en train de streamer, je peux pas me souvenir. Je peux pas vous offrir un sublime spectacle et me souvenir de tout. Allez, c'est bon. On est bon là. On est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Sauter au bon moment. Allez hop. Hop là. C'est du grand spectacle ce soir. Hein. C'est feu d'artifice. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Billy n'est pas mort. Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Ah putain, il est encore là. Mais cette fois, je suis armé, équipé, motivé. Je sais quoi faire. Tant que la musique est là, je continue de courir. Cours, Forest. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Billy, évidemment. Billy a juste été kidnappé. Bon, il est pas trop dur, Slenderman. Puis il est très lent, donc... Bah, c'est pas qu'il est très lent, c'est que tout le jeu est très lent quand il apparaît. Donc bon, ça va, on n'est pas plus idiot qu'un autre. Oh bah non! Il nous oblige à faire un aller-retour et en même temps Slenderman est rapide. Attendez, je vous lis juste après. Hein. Là, je peux pas, là. Là, je suis en pleine fuite. La musique est pas mal. Voilà, faut juste lâcher. Ok. Oh putain, je me suis cogné. Quelle gravissime erreur. J'espère que ça m'a pas mis dans un mauvais timing. Allez, on décroche la rame. La rame, le wagon. Salut Slenderman. Goodbye, salopard. See you soon, enculé. Ciao, biddy bye. Oh, ça va drôlement vite là. Hop, 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 hop. Il y a eu accident là. Alors, t'as compris pourquoi je veux pas mettre le son du jeu plus fort? Hein, t'as vu, il y a des séquences un petit peu olé olé. Hein, ça secoue, ça secoue. Allez, bon, maintenant je vous lis, évidemment. J'en étais où? Hashtag Junior Style. Je l'apprécie, le grand mec de Fantasme s'appelle le Tall Man. Voilà, bravo, très bien. C'est exactement ça. Allez, Kippy, fais-lui un doigt. Bon, ça, c'est quand je devais courir. Ouais, je vais essayer de le trouver, l'OST de ce jeu. Musique de qualité, ouais. Ah, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Ouh, je me suis pété une côte. Ah, mais... Non, c'est pas Billy. C'est le fantôme de Billy. Putain, mais qu'il est beau, ce jeu. Oui, oui, c'est vrai que c'est très, très beau. Là. Tout en sépia, hein. Regardez, il s'amuse le long du rail. On va le suivre. Je pense qu'on va finir le jeu. The Tall Man. Ça me donne envie de revoir le... Ça me donne envie de revoir le... Bah, je peux pas monter là? Ah si. On s'est pété une côte hein, quand même. Hein. On fait pas le... C'est pas le malin. J'ai bien envie de fumer un petit coup pendant que je... Ah là là, assurément, ça a très très mal vieilli. Hein. Le dernier est une catastrophe. Hein. Et pourtant, j'ai pris plaisir à le regarder. C'est une catastrophe, le dernier fantasme. Hein. C'est fantasme combien 4 Belle vignette, là. Ouais, j'y ai pensé. Mais elle ressemblerait trop, par contre, à celle de la dernière, malheureusement. Mais oui, c'est une potentielle vignette. Ouais, le quatrième fantasme, ils sont tous vieux. Ça fait, non mais franchement ça fait de la peine. Le Tollman il fait plus peur hein. Il est à l'article de la mort pauvre homme, je sais pas quel âge il doit avoir maintenant. Non là ça ferait une belle vignette aussi hein. 1h05 hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon là c'est entre lui et nous hein.
On va retirer le petit chapeau. Ah, il y en a eu 5, c'est le cinquième. Je sais que c'est le dernier, mais... Moi, en DVD, je crois que j'ai le 3. Je me dématérialise, mais... Eh oui, c'est nous les plus forts maintenant, Tollman. On a le pouvoir de la téloche. Et voilà. On a le pouvoir de la téloche, ça nous fait plus peur. On a plus peur de toi. On a plus peur de toi. Rends-nous Billy. 89 ans, d'accord. Je savais pas qu'il était mort. Oh! Qu'est-ce que j'ai mal fait? En fait, c'est pas vraiment qu'est-ce que j'ai mal fait, puisque j'ai rien fait. Ah, on peut tourner la tête, regardez, il peut être bangé un petit peu. On peut être bangé avant que Tollman arrive. Il est mort en 2016, je savais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, avec mon stick? Ok, une fois. Il faut que je fasse quelque chose avec les sticks, c'est difficile à vous décrire. C'est la fin du jeu, là. Voilà. Fallait que je suive un petit peu ça... Quand il penche, il faut que je penche le stick. Enfin, voilà. C'est tout simple. Hein. Il s'échauffe la nuque avant le Big Fact. Ça me fait penser à quelque chose, cette séquence, mais je ne saurais dire quoi. Quand il se renvoie les pouvoirs, comme ça. Il y a tellement de films, en même temps, qui font penser à ça. Et oh! Ouais, c'est... Bon, clairement, les immeubles derrière, c'est très Inception. Hein. Mais peut-être que c'est l'échauffement avant le Big Fight, hein, c'est bien possible. Mais ça m'intrigue, ça, qu'il y ait 5 fantasmes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux rien faire, là. Ah, moi j'aime bien le revoir hein, aussi. Hein. Je l'ai vu 2 fois, je crois. Attendez, il va se passer quelque chose là. Et voilà. Et voilà. Ah oui, mets-le. Et si t'as possibilité de le regarder en très bonne qualité, fais-le. Hein. N'hésite pas à télécharger du gigaoctet parce qu'il mérite. Une petite porte s'est ouverte. C'est typiquement une maison close. Hein. Maison close. Allez, on va à la maison close. On mérite quand même. On mérite un petit peu d'aller chez Tati Daniel. Alors peut-être que la fin va être aussi mystérieuse que ça. Attendez, je crois que on touche du doigt la fin là. Ça veut rien dire, on touche du doigt la fin. On s'approche de la fin, c'est ça que je voulais dire. Des films dont tout le monde cause, mais que j'ai tardé à voir. Oui, mais c'est bien. Moi, ça m'arrive régulièrement aussi. J'aime bien quand il n'y a plus de hype. Regardez, pour avoir l'œil net, hein, et de pas être influencé par les autres, de me faire mon propre avis. Mais Inception, oui, c'est un bon film. Bon, alors là, est-ce qu'on retrouve Billy? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on était ici? C'est très très beau, hein. Oh là là, moi non, mais c'est ça la vignette, hein. C'est ça la vignette, les couleurs roses, c'est magnifique, comme ça. À 1h09, regardez, tout est en apesanteur. Est-ce que je peux attraper la petite voiture tout de même? Eh oui, et je peux la jeter? Et voilà, ouais, ça, voilà. Vous voyez ce genre de détails chez les développeurs, ben, moi ça me fait plaisir. Ils ont pensé à ça, ils se sont dit le souci du détail. La mélodie là, vous entendez la petite musique? Hein? On n'est pas bien là? Ça fait un peu tente le rose. Pas du tout.
Ah, je m'habillerai pas en rose, si tu veux. Ah mais oh non, non, ne te ferme pas, petite porte. Tu m'as vendu du rêve ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trop tardé ? Ah, c'est joli aussi, là. Hein ? Mon cœur balance, maintenant. Entre 1h05 et 1h10, là, c'est le festival des vignettes. Shooting 91. Pourquoi vous parlez de 91, j'ai pas compris. 1991. Ça fait un peu tente le rose, 1991. Allez, Escher, te revoilà. Ah oui. Bon, Escher, je l'ai par contre, la référence. Ah, on est dans une boucle. Oui. Et si je retourne en arrière? On a cassé la boucle. Peut-être. Non. ...1991, c'est la période où on pouvait dire ce genre de truc. Oui. Attendez. J'essaye de comprendre. Là, il y a la petite musique, hein. Alors peut-être que tout simplement il faut y aller plusieurs fois, non? Là on l'entend de plus en plus la musique, non? On s'en éloigne? Là? Je pense qu'il faut suivre la mélodie. Voilà, là il y a la mélodie. Voilà, c'était ça. Il fallait suivre la musique. Ça c'est grâce au jeu The Witness. Il y a des énigmes musicales et ça m'y a fait penser. Donc on va pas prendre la première porte, évidemment. On va prendre celle où il y a la musique. Ouais, c'est ça, c'est une énigme musicale. Alors pour les sourds, c'est un peu salaud, quoi. Et voilà. Ok, tout est très joli hein, à partir du minute 5. Ah, c'est là. Ah, ah. Ça serait pas ça qu'il faudrait pousser peut-être. Alors regardez, on voit notre ombre. On est là et regardez en bas à gauche, on voit notre ombre. Rigolo. Non, c'est pas là parce qu'il n'y a pas de musique. C'est pas ici non plus. Donc il faut pousser cette porte là. Comme ça, ça ouvre l'autre. Oui, mais il faut la pousser franchement. Vous avez vu comment je suis malin? Voilà. Ouais, c'est bon. Et voilà. J'aimerais bien être vous, là, ce soir encore. C'est du beau spectacle. Vous avez vu comme c'est fluide, là? Comme on avance bien? C'est vraiment cool, cette séquence. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est joli. Bon, je vais m'attarder quand même sur cette première porte. Eh ben, j'ai bien fait, parce que c'est là où il y a la musique. Ok. C'est pas là. Ah bah là, il n'y a plus de musique du tout. Bon, je reviens. Ah mince. Là, je comprends plus. J'aime bien être moi, je te confirme. Jump au-dessus du trou. Bah, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de jumper, regarde. J'apparais ici. Ah, tu veux dire après? Ah oui, oui, oui. Ouais, bien vu, merci. Bien vu, bien vu. Ah, j'ai fait une erreur, là. Ouais, c'est ça. Toute petite erreur. Qui n'en était peut-être pas une, d'ailleurs. Le temps nous le dira.
Ok. Allez, Billy, on va retrouver Billy. Ah ben c'était ça. C'était cette petite boîte à musique là. Billy est drôlement grandi. Drôlement grandi, Billy. Mais Billy, tu nous reconnais, dis. On est ton ami. Oh, à mon avis, il veut pas qu'on touche à sa boîte. Ah, vous avez vu? Bon, Billy. Quand je m'éloigne, ça va mieux. Fat Billy. On va lui donner un jouet. Alors, on choisit bien. Prends plutôt ça, Billy. Donne-nous la boîte à musique. N'aie point peur, Billy. Allez, Billy, c'est nous. Il a changé quand même, hein. Appuie sur Y pour l'appeler. Pourquoi ils nous le disent? Ils auraient dû rien dire. J'y aurais pensé. Allez, viens, Billy. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mon précieux, c'est exactement ça. On dirait Gollum. Qu'est-ce qu'il y a? On va lui mettre un coup. Ah, parce qu'il est possédé par la petite boîte à musique? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne? Bah c'était radical. Et maintenant. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'on a fait? Oh là, je sens qu'il faut qu'on parte. Je sens qu'on a énervé Billy. Oui, j'ai l'impression. Mon Dieu, si on y arrive du premier coup, c'est fantastique. Ça sera le highlight sur ma chaîne. Oh là, Billy, tu te souviens pas des bons moments passés? Oh! Il a mis un coup sur le sol, ça m'a empêché de sauter. Allez, bon, cette fois c'est du bon. On l'a. Il faut filer tout droit. Si vous m'écrivez des messages, je les lis après. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de commenter à fond. Ma prestance. Ma prestation. Hop, 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 hop. Non, Billy. Oui, colère. Qu'est-ce que je ne sais rien faire. Il va ouvrir la porte tout seul. Il faut être patient. Ouais, voilà. C'est un jeu où il faut être patient. J'ai appris à l'être maintenant. Alors, le sang comme ça, un petit peu rose, ça me fait penser à Danganronpa. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les jeux sur PS Vita et sur PlayStation 4 maintenant. Sur PC aussi, je crois. Excellent. Hein. Excellent, Danganronpa. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à les faire. C'est comme les Zero Escape. C'est une trilogie aussi également. C'est fantastique. Ah, il faut comprendre l'anglais. Il faut savoir lire l'anglais. À part pour Danganronpa 3, qui est en français. Bon. Allez, ça suffit cette histoire de boîte à musique, hein. Il va falloir passer à autre chose, hein. Comment on pourrait faire? Oh, ça lui a pas plu du tout. Ça lui a pas plu du tout. Pas du tout. Ça a pas plu du tout que je l'appelle. Bon, je prends quand même la hache, on sait jamais. La hache sur la porte façon Shining. Mais elle est déjà ouverte. C'est ce qu'on appelle communément une taloche. Une bonne taloche. Il m'a mis une taloche. Comment je peux faire? Ah voilà. Ouf. Et les coups de genoux sautaient. Mais c'est un ancien lutteur, c'est un ancien catcheur ce Billy. Ah bah non, c'est vrai, c'est un ancien légionnaire. Voilà, c'est pour ça. On avait dit. En fait, faut que je le fasse une fois. Ah mais merde, il me tue en un coup.
Dans le panneau d'avant, avant de casser la porte à la Shining, il y avait des traces qui se dirigeaient vers le fond, oui. Mais c'est terminé, ça. C'est terminé. Non, non, il faut que je l'appelle et que je casse la boîte aussitôt, je pense. Je pense que c'est ça. Ah, mais non, mais... Je l'ai touché, mais je l'ai touché moi-même. C'est pas pour ça que ça me tue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seul reproche que j'ai au jeu, c'est les hitbox. Ah putain, j'étais pas assez près, pardon. C'est dommage parce que ça casse un tout petit peu le rythme. Il faut me le dire quand vous voyez le fond vert comme ça, là. C'est pas joli, regardez. Ici, il faut me le dire. Comme ça, moi, je tourne un tout petit peu ma chaise. Et ça disparaît comme par magie. Non mais... C'est pas possible en fait là. Tu changes de pièce et tu pourras casser sa boîte. Bah pourquoi? Change de pièce. Quand je change de pièce ça change rien. Alors... C'est chaud ça. Si tu l'appelles et que tu te barres et il te suit. Ah non, il me tue. Il me tue en fait. T'as bien vu. T'étais là. Il me tue. Non, non, il faut que je l'appelle. Et, ça le fait reculer. Non, c'est pas ça alors. Ça, c'est un petit peu agaçant parce que bon, tu sais, c'est les jeux vidéo, hein, d'accord, mais bon. Vous avez une idée? Appelle-le de loin. Ah bah bravo. Pour ça que je vous demande jamais. Pour ça que je vous demande jamais. Ensuite, tu changes de pièce. Pas bête. Bon. C'est ça, effectivement. Et tu casses sa boîte. Voilà, j'ai encore été méchant avec Nictaras alors qu'il avait raison. Alors, il faut que j'y aille avec la hache, comme ça. Et voilà. On fait une fine équipe. Fine équipe. Mais si j'ai la hache. T'as pas la hache. Qu'est-ce que je viens de faire, là? J'ai bien cassé avec la hache. Dis donc. Alors. Bon. Bah du coup on se retrouve dans le noir. Et on n'a pas de chaussures depuis le départ? Bah dis donc. Tellement de boutons sur ce truc, je sais plus sur quoi appuyer. Mais j'ai pas besoin en même temps d'appuyer sur les choses là. Ah, il y a une autre hache. C'est vrai que ça fait très Shining. Bon, il va falloir qu'on se téléporte de l'autre côté. Allez, on active le pas. On va finir le jeu là. Ah ben voilà, tout simplement. Allez. Allez mon coco. Ouais Billy, depuis son passage à la télé, c'est plus le même. Bon là, ça serait pas un peu comme un boss? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de hache. J'ai pas de hache, j'aurais dû peut-être prendre la hache. Ah mais elle est là ma hache, je suis con. Il va falloir mettre plusieurs coups, vous allez voir. Ah mais merde. Sa main a traversé la porte. Autant pour moi, autant pour moi. Partez pas tout de suite, ne zappez pas. Ah mais non. En fait faut que je l'appelle. Toutes mes confuses hein. Faut que je l'appelle et tout de suite je me casse quoi. Je m'en veux parce que c'est marqué bien joué alors que là j'ai merdé quoi. Ah oui mais je peux monter. Alors attendez, comment je peux faire? Attendez, on va y arriver hein. On va y arriver. Bon, on est bien d'accord que celle-là me téléporte ici. Voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Oh mais merde. On sait plus. Oui, 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 bah j'ai compris. Oh là là, oh. Faut le faire en plusieurs fois, quoi. Oh putain. Oui, mais c'est facile à dire. Et jouer avec les deux entrées. J'aimerais bien t'y voir. C'est difficile. C'est difficile pour Romain. C'était difficile, un petit peu. Bon, on a réussi. Ça t'a plu, toi? Voilà. Bon, j'espère que c'est terminé, hein. Je suis pas très fan. C'est difficile, un petit peu, pour moi. Je suis pas un très très grand gamer, moi. J'ai fini Sekiro, mais ça veut rien dire. Allez. Ah bah non. C'est pas parce qu'ils pensent qu'ils ont une bonne idée qu'il faut, il faut se sentir obligé de la refaire, hein. Ah mais ah oui, il peut m'avoir. Bon là ça va être un peu chiant parce qu'il va falloir faire la même chose en plus complet, en plus complexe. C'est mort. C'est mort, comment je fais? Non, c'est ça va pas. Il faut le faire en plusieurs fois de ramener la hache. Bon, déjà, si j'arrive pas à monter. Putain, c'était presque. Non. En fait, je connais pas encore bien son pattern. Je suis où? Ah merde, je suis là. Mais bah, il a pas été là. Ah, parce qu'il m'a vu. Alors là, je sais que vous pouvez pas m'aider parce que ça serait trop, c'est trop tendu. Non, je peux pas là. C'est complexe. Je fume un petit coup. M'en voudrais pas. Ah, il y tient son précieux, hein. On va y arriver. La mouche déjà pour se donner un petit peu de courage. Ah mais merde. J'oublie toujours qu'il y a sa petite main qui se trimballe. Bon, je pense que c'est le boss de fin. Hein. Ah, mais non. Je sais pas comment faire. J'ai failli réussir tout à l'heure, mais je sais plus comment j'ai fait. Ah, mais... Faut l'éloigner, mais je sais plus à quel moment il s'éloigne.
Non mais là c'est pas bon. Oh putain mais... Je sais jamais comment il va réagir. Est-ce qu'il va revenir sur moi? Est-ce que hein, c'est un petit peu bonheur la chance? Ah putain! Non, il faut que je l'attire de l'autre côté pour pouvoir prendre la hache. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est une affaire entendue. Un peu déçu par ce boss. Si c'est la fin de jeu, c'est pas vraiment dans l'ambiance. Non, j'ai pas envie de mourir. Je sais pas comment faire. Non mais c'est ça. J'ai merdé mais c'est ça. Oh j'ai réussi. Putain, il y a eu un bug, j'étais passé à travers lui. J'ai compris le truc. Je pense que dès que tu passes la première porte... Oui mais la première porte, il y en a quatre, tu comprends, c'est difficile quand je lis. Je pense que dès que tu passes la première porte, tu chopes la hache et fais demi-tour direct. Ouais mais laquelle? Celle de la première... Bon, je vais essayer de faire à mon idée. Hein. Je vois ce que tu veux dire mais je t'assure que quand on lit, on comprend pas. Il y a quatre portes. Je pense que c'est pas idiot. Hein. Ah putain. Celle en bas à droite, ok. Donc tu me proposes de prendre la hache et de passer par en bas à droite. Mais ça va me repomper à l'autre là, donc je vais pas pouvoir remonter avec la hache, donc c'est pas possible. Tu comprends? Si je prends la hache, je ne peux pas remonter avec la hache, donc c'est pas une bonne idée. Tu cries à celle en bas à gauche, oui mais je vais pas pouvoir remonter. Et dès que tu passes celle en bas à droite, tu la chopes, oui mais je peux pas remonter avec la hache. Tu comprends? On peut pas remonter avec la hache. Excuse-moi si je parle un peu plus virulent à l'amant, mais on se connaît, hein, c'est bon maintenant. Je peux pas remonter avec la hache. Oh, putain. Tu cries à seul. Oh, non, je suis en train de relire ton commentaire. Ah, c'est là. Ah putain. C'est bien galère et trop réactif. Et trop réactif Billy, ouais. Non mais tu comprends ce que je voulais dire. C'est que si je suis ton conseil et je reste en bas avec la hache. Ouais je... Attends, t'as peut-être raison parce que à la limite j'avais pas vu que je pouvais... Je peux remonter par ici, oui. Ah putain, c'est chiant. Tu avais tenu un bon truc là. Bah oui, mais c'est pas facile. Profiter du fait que son bras soit entre deux portes. Mais il est souvent... Enfin oui, j'ai compris. Je veux pas vous mentir, ça m'agace un peu. Entre nous, là, c'est tout à fait le type de truc que j'aime pas du tout. Non pas parce que c'est difficile, c'est parce que c'est pas intéressant. Je sais jamais comment il va réagir. Là j'ai pas le temps. J'ai l'impression que c'est vraiment poil de cul, vous voyez. Il y en a plus d'un qui aurait cassé sa manette à ce stade. Courage, merci.
On se fera un bon gros FIFA après. Non, 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 non. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est énervant là, sa petite main qui traîne. Excusez-moi. On va y arriver. Hein. Alors je peux peut-être... Non, non, une fois que j'ai... C'est tendu, hein. C'est tendu, on a vraiment pas le temps. Je pense qu'il y a qu'une façon de faire, mais je sais pas laquelle. Et à chaque fois, regardez, le personnage, il veut pas monter, ça m'agace. En fait, c'est tout bête en plus, mais c'est qu'il est très très rapide. Regardez, là je vais le baiser. Là je vais le baiser. Non, c'est pas ça. Non, puis ça m'agace pour la fluidité de la VOD. Moi j'ai envie de finir le jeu rapidement, tu vois. Là, non mais là il m'a eu là. Je suis parti. Je suis parti quand même. Là, je meurs en boucle. Je vais y arriver, hein. Allez. Non, c'est pas bon. Il va me tuer. Putain, je perds un temps fou à chaque fois. C'est pour ça que je... un temps fou à chaque fois. Puis la musique là qui était très jolie commence à me gonfler. Ah putain, il ne faut pas s'approcher lorsqu'il est de retour sur sa boîte à musique. C'est une question ou c'est une affirmation? Il ne faut pas s'approcher lorsqu'il est de retour sur sa boîte à musique. Bah oui, non, mais il faut pas s'approcher de lui, je sais. D'une façon générale, il faut pas s'approcher de lui. Il y a des fois, il y va, des fois, il y va pas, et il me tue, voilà, comme ça. C'est ça qui m'agace. T'as tendance à vouloir taper sur la boîte dès que t'as la hache. J'ai l'impression... Dès que tu la fuis. Je comprends pas. T'as tendance à vouloir taper sur la boîte dès que tu la lâches. Oui, ça c'est vrai. J'ai l'impression, ça je comprends pas, dès que tu la fuis. J'ai pas compris, Léa. Une fois que tu la lâches, il faudrait que tu la tires à gauche ou à droite. Oui, mais non, mais je suis pas si idiot, hein. J'ai compris, mais c'est difficile, vous comprenez. Je peux pas me déplacer avec la hache et la plaie est passée par une porte. Il me rattrape. Une fois que tu as chopé la hache, il faut que tu le bernes d'un côté pour qu'il ait le bras coincé dans une entrée et profiter de sa latence. Oui, mais je sais, mais c'est difficile. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais j'y arrive pas. Regardez, des fois il y va, des fois il y va pas. Regardez, là par exemple, il n'y a pas été. Il n'a pas été là où je l'ai appelé. Il réagit différemment. C'est très difficile de lire le chat, d'avoir le casque à fond et de lire et d'essayer de faire bien.
faute de frappe actif. Quand tu as la hache, au lieu de frapper sur la boîte, fuis par une des portes. Mais je peux pas... Nyctaras, tu vois bien que je peux pas fuir avec la hache. Ah pardon, Léa. Je ne peux pas fuir avec la hache par une des portes. Je ne suis pas assez rapide. Regarde. Voilà. On peut pas. Enfin, excusez-moi, ça m'agace. Hein. Mais je peux pas. Ah mais oui, tu ne peux pas monter quand tu as l'âge. Ben oui, ah, ben, oui, évidemment, je peux pas monter quand j'ai l'âge, oui. Mon Dieu. Mais... Non, ce qu'il faut, c'est le berner, évidemment. Comme ça, mais il faut jouer super rapide. Mais je comprends pas. C'est vraiment poil de cul. En fait, il y a qu'une façon de faire, mais j'ai pas encore compris laquelle. Mais le fait de streamer, c'est stressant. Et puis d'essayer de faire bien, d'aller vite. Putain, là par exemple, vous voyez, il m'a touché alors que je suis... Normalement, il peut pas me toucher. Je suis en hauteur. À la limite, j'aimerais bien la jeter, cette putain de hache. Mais je peux pas la rapprocher. Bon, écoutez, je vais essayer de me détendre. Et je vais faire ça bien. Ok, là il fait ça. Ah putain, je me fais avoir à chaque fois, hein. Je suis con. Hein. Mais en même temps, si je continue, après il me tue de toute façon. Non, voilà, là je vais mourir aussi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ça m'agace. Je dois être chialé. Je pense que le mieux... Oui, il est trop rapide. Putain, on aurait pu profiter du bug. Bon, l'idée c'est quand même de l'amener le plus loin possible de l'âge. Ah putain, je me fais à chaque fois avoir. Non, je vous assure que c'est pas simple. Hein. Je suis pas mauvais à la manette. Mais il y a un cube là, ça nous sert à rien le cube. Heureusement qu'on repop à chaque fois. C'est assez rapide. Non mais là je vais mourir encore. En fait je vois pas ce que je dois faire. Ah putain. En plus, alors ça c'est complètement con. C'est que dès que je le touche, je meurs. Même si je touche son coude. Ah, putain. Appelle-le en bas à gauche. Ensuite va en bas à droite. Chope la hache. Attends. Appelle-le en bas à gauche, ok? Genre là. Ensuite, va en bas à droite. Chope la hache, ok? Ça, je le fais à chaque fois. Va dans l'entrée. En haut à droite. Et tu vas réapparaître en haut à gauche. Je tente. Mais j'ai pas... Il va me tuer, hein? Voilà. Je vous dis qu'on n'a pas le temps de se déplacer avec la hache. Je peux pas. Sinon je l'aurais fait. Vous comprenez? Alors peut-être pas celle d'en haut à gauche, en haut à droite, mais celle d'en... Regardez, je vais tenter avec une autre. Ah
Ok, maintenant je suis là. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci Nictaras. On s'est bien complété. C'est bien complété. Ah, je suis désolé pour mon petit coup de colère, hein, mais bon, je suis quelqu'un de nerveux. Autant pour moi. Il n'y avait qu'une seule façon de faire. Merci Nictaras. Après tout s'est illuminé dans mon esprit. Bon alors Billy, tu nous as bien agacé là. Je crois que c'était une cinématique. Allez. Ah. Évidemment. Évidemment, bien entendu, bravo. J'ai été très 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 naïf sur ce coup-là. Très naïf. Très naïf. Lâche dans sa gueule, oui. Ah voilà là. Allez lâche ça là. On avait dit. Allez ça suffit la drogue. Ça suffit la drogue maintenant. Mon dieu je vais pas assez vite. Qu'est-ce que je suis couillon. Allez allez ça suffit. Ça suffit la musique hein. Ça rend fou hein. Ça suffit ton black metal. Ça suffit ton black metal. Il est revenu, Billy. Ça y est. Billy, tu te rends compte? Tu te rends compte de ce que ça t'avait rendu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, Billy! Enfuyons-nous. Bon, là, ça sent le final, hein. Oup, 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 c'est quoi ce monstre? Je peux pas passer. Non, Billy, Billy! On va y arriver. Oui, encore toutes mes confuses pour tout à l'heure. Je vous ai un petit peu parlé mal, mais c'est... Je suis quelqu'un de nerveux. Voilà. Faut pas m'en vouloir. Qui aime bien, châtie bien, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On l'a. On est bien. Allez, 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 allez. Putain, j'ai les mains qui glissent sur le stick. Du combat d'avant, là, ça m'a fait suer à grosses gouttes. Je suis mort? Ah bah non, me fais pas ça. Oulalala. Billy s'en est sorti, mais moi, vais-je m'en sortir? Billy! Me lâche pas, Billy. Non, Billy. Oh! La trahison. La trahison finale. Alors si on s'était attendu à ça, pour tout ce qu'on a fait à Billy. Et là, c'est quoi? C'est des grosses couilles. Il nous a laissé dans un champ de couilles. Pardon pour la vulgarité, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est un champ de couilles. Il nous a lâchés. J'étais sûr qu'elle allait la lâcher. Pour tout le mal qu'on a fait, toutes les moqueries, il s'est vengé. Et nous, là, maintenant, qu'est-ce que vous avez marqué? Oh, vous l'insultez, évidemment. Évidemment, le chat insulte Billy.
Dire qu'on a eu de la peine pour lui pendant tout le jeu, évidemment. Le chant, évidemment. Bon, je ne lis pas les insultes, évidemment, mais tout le monde insulte Billy. Je l'ai senti. Quand j'ai vu le ralenti, je me suis dit, va nous lâcher. Voyez? Voyez ce que c'est? D'être trop gentil. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? On va être le chef du roi des couilles? C'est ça maintenant notre avenir? Le chef du roi des couilles? Mais c'est un monstre. Le trône? Évidemment, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, les gens là? Qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur de Globule, le roi des couilles. Alors, je ne peux pas diriger le personnage là. Une forme de cinématique, si vous voulez tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, maintenant on est plus grand. C'est quoi, c'est nous Slender? C'est nous le Tallman? C'est parti pour une conclue sur la culpabilité, oui, évidemment. Je le sens aussi. La culpabilité. Ah, tu dégaines vite, hein. Mais il faut me le dire quand le fond vert il déconne. Et voilà, et on grandit et c'est nous, c'est pour ça qu'il nous a tués, parce que c'est une boucle infernale, on est le méchant de l'histoire. Comprenne qui pourra. Voilà, regardez, on est en train de vieillir vitesse grand V. On devient le Tallman. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, hein? C'est nous qui étions dans la télé. C'est nous qui avions le pouvoir de la télé. On s'est même battu contre nous-mêmes. On est nouveau Tallman. La mort de l'innocence. Et de la naïveté, voilà. Mais alors là, le coup de Billy qui nous lâche dans le champ de couilles, je m'en remets pas. Tu t'en remets, toi? Évidemment que non, il s'en remet pas non plus. Ouais, c'est bien ça. Nous devenons nous-mêmes le Tallman. C'est pour ça que le jeu débute et qu'on est à côté d'une télé. Alors c'est quoi? C'est comme dans Dark Souls. C'est un cercle sans fin. On prend la place du méchant. On redevient le seigneur des cendres, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que Billy nous a trahis. Mais peut-être parce que Billy sait qu'on était méchant depuis le départ. Encore une fois, j'ai pas terminé le premier. Hein. Faut savoir que Billy est le personnage et le protagoniste du premier opus. J'ai pas terminé le premier. Peut-être qu'en faisant le premier, on comprendrait mieux la fin du 2. Alors, il a peut-être fallu commencer par le premier, je suis un petit peu idiot là-dessus aussi. J'étais un petit peu naïf, moi, là-dessus. Pour la comprenette. Mais pourquoi lui, toi, te pourchasser? Pour te faire comprendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il fuyait sa véritable nature, oui, peut-être. Sa condition. Fuyait sa condition. Le déni, voilà. C'est curieux, hein. Je vais enlever... Ah non, mais vous le voyez pas, le pointeur de la souris, c'est parfait. Mais voilà! Mais voilà! Mon Dieu. Feg, Abili, c'est un FTP. Le déni du pénis de déni. Oh, voilà, voilà, voilà. Non, mais c'est quelque chose comme ça. Encore une fois, je pense que si nous avions terminé le premier opus, si nous avions été raisonnables, parce que vous voulez toujours les nouveautés, mais si on avait joué au premier, qui date de quelques années, on aurait peut-être compris la fin du second. Mais non, vous toujours, la nouveauté, même s'il n'y a pas, même si on ne comprend pas à ce point, on en est là maintenant. Bon, bah du coup, on est sur une fin un petit peu en suspens. Fais le 1. Bah oui. Bah pas maintenant, hein. Enfin, je veux dire, pas dans les prochains jours. Ça m'a suffi. Mais j'ai bien aimé. Et petite musique.
Balek d'Amnesia. Bah, de faire le 1 après le 2, oh, j'ai envie de jouer autre chose, je vais pas te mentir. Mais on fera le 1. Allez, c'est promis. Crois de fer, si je mange, je mange ton père. Je mange de la terre. On fera le 1, oui. Et on se souviendra de toute façon, on se souviendra de Billy, t'inquiète pas. Même si on le fait pas à la suite. T'as prévu quoi alors pour la suite, Romain? Une idée? Non, j'ai pas prévu. Je sais qu'on a quand même... Mais bon, ça fait beaucoup moins... Ça fait beaucoup moins de vues, hein. Ça, faut qu'on en soit conscient. Amnesia, je veux dire. Il y a Amnesia qu'on peut continuer, mais a-t-on envie de continuer Amnesia? Non, j'ai envie de petits jeux comme ça, sympathiques, où je peux broder un petit peu autour et puis que ça soit rigolo. Vous voyez? Je pense que des jeux comme Little Nightmares sont parfaits pour le streaming. Il va sûrement aller pisser et se coucher. À l'instant, oui, c'est possible. Instant T. J'ai pas très bien compris. Tu comprends? Non, j'y ai pensé, mais comme je l'ai fait assez récemment, enfin, je veux dire l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de faire des petits jeux sympathiques, un peu d'horreur. Même peut-être. Il y a plein de jeux indépendants qui sont très sympas et puis qui sont très sympas à streamer parce que moi ça permet, vous voyez, d'inventer des noms de personnages, de broder. C'est plus rigolo, puis on peut s'arrêter quand on veut. Ce qui est difficile, j'ai remarqué, à streamer, c'est les jeux qui durent très longtemps et où il y a beaucoup de textes, beaucoup. En fait, si on n'est pas là depuis le début, bon bah on comprend rien. C'est pour ça que Little Nightmares c'était parfait pour cela, le concept. Mais il est très très bien, hein. Ah non, ah oui, non, tu me demandais si je voulais le faire, donc je t'ai répondu. Ah, t'y as jamais joué? Bah non, mais il est pas mal le Silent Hill 4, mais j'ai pas envie, hein. Je te le dis tout de suite, je l'ai fait 2 fois. J'ai regardé beaucoup de speedrun, j'ai regardé beaucoup de VOD sur ce jeu. Et je le connais, quoi, j'ai pas envie d'y jouer là. Fort bien en tout cas ce petit jeu, oui, j'ai trouvé. The Forest, ça ne t'intéresse pas? Peut-être. Je sais pas, je vais voir. Je préfère rien dire parce qu'en général, vous avez vu, je change d'avis. En fait, en général, je télécharge et puis... Enfin, Tati Daniel m'offre un jeu, pardon. Et en général, après, en y jouant une minute ou deux, je me rends compte si c'est sympa à streamer ou pas, quoi. Ouais, au début, j'étais réticente, mais j'ai fort bien aimé au final. Tu parles de The Forest? Je vais voir. Je vais regarder ce qui peut être sympathique. Hein, c'est bien aussi qu'il y ait des surprises. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose... Mais bon, ça serait bien peut-être de terminer... Je sais pas, il y a tellement de bons jeux. Hein, c'est pas les jeux qui manquent. Je vais regarder. Je vais regarder ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là du début à la fin, hein, de l'aventure. Ça me fait très plaisir. Puis merci à ceux qui étaient pas sur le chat, mais qui regardent, hein, en secret. Hein, qui sont un petit peu intimidés. Hein, on les connaît, on le sait, on en a déjà discuté. Ah, tu parlais de Little Nightmare 2. Ok, pardon. Et bah, ouais, moi aussi, hein. Mais tu vois, ça, c'est un jeu que j'aurais peut-être pas joué moi tout seul. Là, je l'ai streamé, c'est très sympathique, mais tout seul, peut-être que je n'aurais jamais joué. J'avais fait la démo, bon, mais en fait, c'est sympathique à streamer. Allez, je vous souhaite une bonne nuit à vous deux et puis à ceux qui nous regardent. Je vais mettre un petit coup de... Allez, on fait un doublé là. Ah, mais on peut pas. Faut qu'on revienne là comme ça. Oh, la mouche et le chien, putain, ça a même merdouillé. C'est parfait. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Je vous dis à demain 21h. J'espère que vous serez là. Mais si vous n'êtes pas là, je vous en tiendrai pas rigueur. Hein, on a aussi des vies. Je comprendrai très bien. Mais essayez d'être là quand même. Hein. Bon. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Tchuss.